Mesdames, Messieurs, bonsoir, depuis Studio 4, la Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Un plaisir pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Jeudi 11 juillet 2024, la rideau tombé sous sommet l'OTAN dans Washington DC qui coïncidait avec 75e anniversaire Organisation Traité Atlantique Noir. États-Unis, élections, sondages, rassemblement, débat à attaque politique dans cadre campagne présidentielle Biden-Trump là, dans moment parti républicain pral gagner convention semaine qui vient là dans Milwaukee. Dans Kenya, président William Ruto fait un gros remaniement dans cabinet ministériel là dans mi-temps gros mécontentement populaire. Et puis dans le pays d'Haïti, visite Premier ministre Gary Conny, entre autres dans l'aéroport international Toussaint Louverture là, dans quatre virerons dans plusieurs institutions administration publique là. C'est point ça yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment et gros événement, c'est dans Washington DC côté rideau yo, nous voulons dire clôture là a fait sous sommet l'OTAN qui était commencé le 9, 10 et puis 11, c'est jeudi à c'est 11. Qui t'a fait dans Washington DC. C'est un sommet qui coïncidait avec 75e anniversaire Organisation Traité Atlantique. Là, nous avons sous place Gentil Augustin Junior avec Fred Kaimit et voilà, nous avons Junior, nous avons Gentil Augustin Junior et Gentil dit nous non et je dis assez pratiquement c'est rideau qui pral tomber, c'est gros rassemblement, c'est un gros moment dans cadre sommet ça qui ça ou un sommet ça qui sont senti qui sont capables d'écrire ambiance là pour nous. Merci un peu Jacqueline et je dis à ce dernier jour sommet a qui était doué fait pendant 3 jours 9 10 11 et je dis à ce dernier jour rideau tombé mais nous déjà connaît dans sommet ça point central là discussion centrale était sous lâche et sous Ukraine, côté que tout débat était tourné autour de l'Ukraine et il y a un pile rencontre tout pendant le sommet à fait dans Walter Center Convention, mais il y a eu l'autre petite rencontre qui a eu en dehors de sommet à. D'après regardé tout à l'heure là, le président Biden a rencontré ensemble avec le président Zelensky, côté où il a discuté sur l'avenir de la guerre qui a eu en Ukraine et en dedans, il y a eu des forums publics, côté que l'idée yo même yo toujours prend sans yo al parler al dit ça ce qui s'est passé en dans sommet avec public là et comme ça depuis hier tu as gagné des attaques contre la Chine, ça veut dire participation la Chine, support que la Chine ni même la baille en Ukraine dans la guerre contre la Russie, invasion la Russie qui est faite en 2022 dans pays Ukraine. Yo président Biden ni même dit que la Chine, Corée du Nord, Iran a porté support la Russie en façon pour capable combattre avec l'Ukraine. Et même Jean tout, Jens Stoltenberg qui c'est secrétaire général l'OTAN, lui même tout, lui longe droit sous la Chine qui toujours a supporté en guerre ça qui gagne en Ukraine. Et n'a regardé, journaliste était présent, nous t'ai croisé avec John Kirby côté que yo là dans salle dans media center a, c'est une ambiance, c'est un tout monde motivé, il a regardé qui ça cap sorti et nous mêmes nous était n'a suivre qui ça cap sorti tout dans dernier jour ça qui c'est sommet des Amériques là qui coïncide avec 75e anniversaire alliance. Right now Russia, Kounyeya, la Russie en position la guerre dans ça qui concerne production défense. Li continue à augmenter production li dans zam, munitions ak machine. Et puis tout ça avec aide la Chine, Corée du Nord ak Iran. Nous pas capables, nan opinion moins, permettre alliance lan a perdre temps. Pour Jens Stoltenberg, secrétaire général l'OTAN, Ukraine sou yon route sans détour pour vinyon mam l'OTAN. Et di organisation an gen intention pour bay Ukraine yon enveloppe au moins kap gen 40 millions euros pour année kap vini an pour kakenbe assistance sécurité nan yon niveau durable pour gagner la guerre. Secrétaire général la te dénoncé tout si pour la Chine bay la Russie nan la guerre contre Ukraine.
La Chine a joué un rôle clé dans la guerre la Russie contre l'Ukraine. Si pour la Chine augmenter menace la Russie sous sécurité euro-atlantique là, allié yo te dit li clairement que la Chine pas ka permettre prolongement plus gros guerre Europe là dans histoire récente yo. Continuer sans yo pas nuit intérêt à réputation li yo. Jeudi 11 juillet 2024 là, la Chine demande l'organisation traité Atlantique Nord pour suspendre inciter confrontation entre bloc yo après mauvais critique alliance Atlantique là té accusé Pékin cap bay Moscou aide important dans invasion Ukraine. Nous encourager l'OTAN pour réfléchir sur cause profonde crise là ak propre action li yo. Écoutez bien voix communauté internationale là ak pran mezi konkrèt pour améliorer situation au lieu yo la guerre responsabilité ya sou l'autre monde. Nan yon rencontre tête à tête entre président Joe Biden ak président Volodymyr Zelensky jeudi 11 juillet 2024 là, deux présidents yo te diskite sou façon pour yo rive juste fini la guerre ya ak la Russie. Et puis yo te mandé pour yon deuxième sommet la paix à Nessa. Président Biden te dit, we will stay with you, please. Nous pral rete avec vous, période. Président Zelensky te répond, together we are. Ensemble, nous sauver pep noir. Dans yon forum public dans sommet ya, conseiller sécurité nationale la Maison Blanche, Jake Sullivan, te fortement condamné attaque la Russie qui saute passé yo. Tant coup, attaque sur yon l'hôpital Timoun nan Kiev, c'est men ça. Et puis, li mette accent sur collaboration qui a continué avec l'Ukraine pour renforcer la défense contre l'agression de la Russie. Putin cannot divide us. Putin he cannot outlast us. Pas divisé. He cannot weaken us. Li pa ka survivre avec nous. Li pa ka faibli nous. Et l'Ukraine pas la Russie pral dominer la guerre ça. Paysage conflit ça jodia différent en pile passé saliteye dans mois avril là. Les Ukraine te manquer fourniti ak équipement. Et puis la Russie te en mouvement jodia. Sous champ bataille là, la Russie a pris frappe. Mais li pa ka entré. Ukraine a frappé fort et puis faibli capacité stratégique la Russie yo. Leader organisation traité Atlantique Nord yo rencontré dans une réunion pendant sommet à Washington hier mercredi a exprimé profond inquiétude yo sur rapprochement entre la Russie ak la Chine et puis pays membre l'OTAN yo te profiter fait promesse pour augmenter si pour y a bay Ukraine et dit que chaque membre dans l'OTAN a fait partie pa yo pour assurer que alliance l'en rete jam. Alors que ministre affaires étrangères la Chine qualifié déclaration organisation traité Atlantique Nord qui dit la Chine vient tourner un partisan décisif dans la guerre la Russie contre Ukraine injuste et malveillant. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior, gentil c'est envoyé spécial service Creole dans sommet l'OTAN qui a déroulé dans Washington. D'ici nous parlons dans actualité électorale ici aux États-Unis côté un gros débat dans mi-temps parti démocrate là sous candidature président Joe Biden surtout après mauvais performance l'été bay dans débat contre ancien président républicain Donald Trump. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous débat ça surtout débat en dans parti démocrate là pour connaître est-ce que vraiment il y a Kembe, un président Joe Biden pour élection 5 novembre ou bien il pourra le choisir yon l'autre monde Jean-Robert. Donc c'est gros débat ça ici aux États-Unis dans l'actualité électorale là. Effectivement Jacques Jondia et c'est un gros débat et c'est pratiquement la première fois que un débat comme ça sous choix ou candidat pour Parti démocrate là dans prochaine élection yo. Et raison qui dans base là c'est performance et président Joe Biden te met pendant le premier débat te gen face à candidat républicain Donald Trump et l'autre raison son question de l'âge parce qu'en pile monde y compris membre parti à quoi li pas capable et diriger pays à cause de l'âge li et puis tout difficulté li ka gen pour remporter l'élection devant candidat Parti républicain Donald Trump et c'est raison que en pile débat fait pour eux. Est-ce qu'il y a une possibilité pour eux de remplacer avant même convention parti démocrate là dans mi-temps mois d'août là. Président Joe Biden continue à résister sous pression quelques membres du parti démocrate là a fait pour l'abandonner cousla.
devant ça a fait dans le moment candidat pressenti parti républicain Donald Trump mandé lui l'autre débat pour capable prouver les qualifier pour diriger les États-Unis. Ancien président chambre député a Nancy Pelosi, ses dernières voix influent parti démocrate là qui gagne doute Biden a représenté parti a dans élection présidentielle 5 novembre là. Député californien qui t'a parlé sous chaîne télévision MSNBC déclaré c'est président Biden qui lui décide lui-même s'il a arrêté dans course là. Nous tous campés des dolls, nous tous encouragés pour prendre décision à cause parité en pile temps. Président Biden prend engagement pour arrêter dans course là pendant d'y insister pour dire c'est seul l'Éternel qui est capable de mander pour mettre fin dans course là. Neuf députés démocrates pour Bibiti avec un sénateur mandé président ouvertement pour mettre l'école à côté à possibilité pour vice-président Kamala Harris ta remplacer. George Clooney, qui souhaite participer dans une campagne ramasser l'argent dans Hollywood pour président Biden, a ajouté voile parmi supporters démocrates qui ont encouragé le président pour l'écraser et quitter ça. Acteur a déclaré réservoir écrasé. Tout ça nous pour nous faire, c'est enterrer tête nos ambassades en mai et puis prier pour un miracle arrivé en novembre, ou bien nous capables de dire la vérité. Clooney a ajouté démocrate replacé dans Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi, sénateur, député avec l'autre candidat qui est capable de perdre l'élection novembre, besoin de mander président pour abandonner tout cela volontairement. Porte-parole à Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui était abordé question à journaliste mardi de JEA, reconnaître le président est passé un mauvais moment pendant le débat. We understand. We're not taking away from what you all saw. Nous comprenons. We understand. It was a bad night. Ou bien, it is américain qui observé. Nous comprenons. C'était une mauvaise soirée. Je dis à qui mon grand démocrate là qui est capable de remplacer Joe Biden avant la convention partie dans le mois d'août là. Professeur Larry Sabato, directeur University of Virginia Center for Politics, déclare. There is only one way for a nominee to be removed, and that is for the nominee to decide not to run. Seule façon pour remplacer un candidat désigné, c'est s'il décide d'abandonner pour cela lui-même avant la convention, hein, pour l'ouvrir pour cela pour n'importe quel candidat qui a besoin de support délégué. Pour sa fête, une grosse délégation démocrate doit aller dans la Maison Blanche pour convaincre le président ensemble avec Madame Lee. Le professeur a proposé une liste de 5 candidats parmi eux, vice-président Kamala Harris, avec gouverneur californien Gavin Newsom, qui est capable de gagner accès à campir l'argent. Proposition pour remplacer le président Joe Biden avant la convention en clair. Mais il n'est pas facile, tout autant président lui-même a résisté pour l'abandonner pour cela. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Pendant ce temps, dans le camp républicain, c'est réjouissant ce côté que ancien président Donald Trump continue à dire que eh bien, parti démocrate a tête en bas, côté que yo a fait président Joe Biden passer un mauvais quart d'heure et il dit que c'est yon nan pi mauvais président que pays a jamais connu et lui-même l'a avancé la dans direction la Maison Blanche. Donc ça veut dire que son débat qui est vraiment tête chargée entre parti républicain qui gagne dans tête li président ancien président et Donald Trump qui pourra le représenter Patia et gagner et convention qui a fait semaine cap vin là dans Milwaukee et après ça a gagné convention parti démocrate là. Donc VOA Creole a suivi de très près pour actualité électorale là ici aux États-Unis. Actualité internationale là a mené nous connait dans pays Kenya côté président William Ruto fait un gros remaniement ministériel dans mitan gros mécontentement populaire côté là il a même a demandé pour démissionner. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B. Jodia, conformément à pouvoir article 1521 à 1525B Constitution et à section 12 loi procureur général là, moi décidé révoquer immédiatement tout secrétaire cabinet yo,
avec procureur général Kenya, cabinet Kenya, excepté premier secrétaire cabinet pour secrétariat, secrétaire cabinet pour affaires étrangères et affaires diaspora, et naturellement, bureau vice-président pas affecté. Président William Ruto a annoncé jeudi 11 juillet 2024 là, révocation presque tout cabinet là, à l'exception vice-président et ministre affaires étrangères, après environ 3 semaines de manifestation anti-gouvernementale qui t'aimait pays à tête en bas. Malgré le gouvernement a fait bac sur un projet budget, manifestants ont continué côté ont réclamé démission président Ruto. Dans une adresse télévisée, président Ruto a annoncé décision ça après ça le dit, tant de voix peuple Kenya et après évaluation globale performance cabinet là, à toute réalisation et défi qui devant gouvernement. Et qu'on y a dit, il pral fait consultation à travers différents secteurs et à formation politique pour le former un nouveau gouvernement. C'est dans la date 26 juin 2024 là que le gouvernement a retiré un projet budget qui a fait en pile dans le pays. Un plan qui te prévoit augmentation de taxes. Et manifestants ont entré dans le Parlement un jour avec fracas et ont même mis feu dans le bâtiment. Et la police a utilisé balles réelles d'après l'agence officielle de protection des droits de l'homme pour être capable de faire face à l'action manifestant. Et laisse ça 39 personnes pour Pipiti te mourir. Président William Ruto qui montait sous pouvoir en août 2022 a fait face à un pile difficulté et un pile défi pour le faire système dans le marché et satisfait pour moi c'était fait pour des amis. Voilà, c'était la situation dans le pays Kenya. Nous connaissons le pays Kenya qui est lié avec Haïti parce que gagné déjà un contingent policier et pays Kenya qui est dans le pays d'Haïti dans le cadre de mission et multinationale pour sécurité dans le pays d'Haïti. Et effectivement, dans un petit moment, nous allons entrer dans l'actualité concernant le pays d'Haïti où sous VOA Créole, on va suivre un programme dans la langue créole haïtienne. Actualité à dans le pays Kenya, merci d'être choisi VOA Créole pour informer au Premier ministre haïtien Garry Conille. Les visiter direction immigration et émigration dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture là dans l'idée pour fournir garder état équipement et infrastructure qui utilisé pour contrôler passagers. Il y a un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Pendant visite ça, Dr. Garry Conille était accompagné du directeur général ministère intérieur Amos Zéphirin, directeur général cabinelli Michelet Modestin, ingénieur système direction immigration et émigration Jean-Ocelyn Lambert. Objectif principal visite ça, c'était informer de conditions travail agent immigration yo et état conditions équipement et infrastructure utilisé pour contrôler passagers yo. Titulaire ministère intérieur a compté plancher sur différentes contraintes matérielles et logistiques dans l'idée pour améliorer conditions de travail agent yo. Nous font bon petit parler avec personnel là qui partage avec nous difficulté yo gagne dans fonctionnement yo, risque qui gagne que pour adresser rapidement moyen que fonctionner tous les jours. Nous là avec directeur immigration justement pour nous voir comment nous ca améliorer conditions de travail yo, et puis certainement tout assurer que nous minimiser risque sur un processus qui est très fragile qui est très délicat que nous pas qu'à quitter à aucun moment fragilisé. Ministre intérieur a profité par les taux de nécessité pour un processus personnalisation documents voyageurs plus rapide, efficace, efficient tant en Haïti que dans la diaspora. Il y a des solutions à mettre en place là sur le court terme, mais les bonnes garanties, il y a des solutions à envisager sur le moyen terme pour que le dossier passeport soit traité beaucoup plus rapidement. Nous connaissons que des dizaines de milliers d'Haïtiens qui sont en souffrance parce que le fait passeport n'est pas qu'à faire. Donc ça, avec les gens pour nous et nous cherchons les gens pour nous capables d'adresser le plus rapidement que possible. Ministre intérieur, qui c'est en même temps chef gouvernement, fait diverses autres visites dans ce maintenant. Tant qu'il est allé tout dans l'ONI, côté l'État prend information et évalue l'institution ça dans le cadre perspective organisation prochaine élection générale dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, n'a pas été toujours dans le pays d'Haïti, côté 5 organisations et droits humains parmi RNDDH et POHDH. Il a écrit Premier ministre Garry Conille pour demander de mettre en application 5 points stratégiques pour résoudre crise sociopolitique et économique pays à confronter depuis quelques temps. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis capitale haïtienne dans Port-au-Prince. 5 organisations de Mounzaïo, CRNDDH, POHDH, SEC Réflexion, CGLAP, AGNEC Baron,
qui rencontrait la presse jeudi 11 juillet 2024 là, dans le cadre suivi en correspondance, il était adressé dans la date 4 juillet passé à Premier ministre Gary Conille, dont il a une copie à joindre Conseil présidentiel transition pour faire nouvelle autorité au part des 5 points estimés qui est important en pile pour le gouvernement à travailler sur eux dans l'intention pour rétablir la paix et la sécurité avec un ordre démocratique durable. 5 points ça, c'est par exemple, pas de dialogue avec bandits, ni amnistie, agent qui fait partie force multinationale soutien à sécurité, pas de agir en violation de la monde dans le pays. Il faut que la paix et la sécurité retournent avant organisation élection. Enfin, c'est justice et réparation pour victimes insécurité que y a demandé d'après Madame Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable programme dans RNDDH. Conséquences violence, c'est des conséquences qui énormes sur victimes. Non seulement nous comptons victimes justement par milliers, et nous comptons tous des proches de victimes qui sont obligés de courir quitter la caillou par des centaines de milliers. Et donc, je ne j'en dis pas, nous estimons, cette organisation, que le gouvernement lui supposé pencher sur question ça. En termes de recommandations par rapport à la démarche ça, Madame du Sénat dit pas doué gain dialogue avec bandits ni amnistie pendant le mandat du gouvernement prend toutes dispositions nécessaires à travers 18 juridictions pays. Nous avons des premiers ministres là pour le passer ministre justice lui en instruction pour le mandat tout paquet première instance tribunal première instance dans pays particulièrement. Parquet tribunal première instance, dans Port-au-Prince, dans Tigouave, dans Croix-des-Bouquets, dans Saint-Marc avec nos Gonaïves, ils mettaient action publique en mouvement contre bandits armés. Bon côté parle, Alermi Pierre Villus, pour POHDH, qui parlait sous problème corruption, eh bien, il y a un signal clair que l'autorité a dû voyer la population pour démontrer tout bon vrai qu'il y a bataille contre fléau, ça, il y aurait les corruptions. Eh bien, c'est prendre toute disposition pour faire tout membre gouvernement faire déclaration patrimoniaux. Jean, la loi 12 février 2008 là, mandé ça. Donc, quoi, son élément fondamental et son signal clair, il y a voyé qui montrait que vous voulez rompre, divorcer à pratique corruption. Pendant que directeur exécutif RNDD Achelan, Pierre Espérance, souhaitait agent mission multinationale soutien à sécurité qui déjà souterrain commence à frapper pied à terre dans quatre chiffres pour accompagner PNH rétablir l'ordre et la paix en Haïti. Wena Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. N'a quitté Port-au-Prince, nous prenons Atlanta, Georgia, pour nous voir un cas qui est très particulier, qui a un rapport avec la justice et qui a un rapport avec un haïtien. Enterrement Jean-Claude Laguerre, qui était perdu la ville après qu'il était tombé dans le travail. Et bien, ça a provoqué un pile réaction dans la communauté haïtienne, dans l'État Georgia. Nous avons sous place Yurmi Janet, qui a dit nous plus. C'était dans l'église de Dieu Gethsemani, dans la Huntsville, dans l'État Georgie, un funérailles symbolique était chanté pour M. Jean-Claude Laguerre, un haïtien qui était entré aux États-Unis dans le programme Biden. Il est arrivé perdu la ville dans l'hôpital dans Douglas County après qu'il était fini tombé dans le travail. Yon la mort qui générait un pile doute dans la famille de fin à la communauté haïtienne Atlanta parce qu'ils ont brûlé le corps sans autorisation famille. Pour moi, régler affaire enterrement pour retourner pour Kavin ou Marie. Avec étonnement, les nous planifié et puis moi apprendre que yo brûlé Marie sans pas connaître. Plusieurs citoyens dans la communauté a qui te vinn supporter famille t'a demandé justice pour monsieur Jean-Claude Laguerre. Bon jeune carré mais ça c'est la première fois que je et m'a fait tout ça que me capable tout ça que m'a accumulé pendant 40 ans ça pour madame la guerre pour monsieur la guerre jeune justice et pour famille pour conforter nous connaît fait temps et déjà fait déjà mais ça pas passer comme ça nous vraiment déplorer ça qui arrivé comment que monsieur la guerre perdu la vie non nous capable de bagarre qui très tragique et ceci qui suscite nous pour nous venir porter collaboration ensemble avec famille hein. Moi premièrement c'est nous moi content que nous capable là pour nous supporter famille hein. C'est très important pour nous capable toute en communauté qui vient unie à cause de une cause comme ça.
comme organisation femme, nous venons, International Women of Hope, nous venons pour nous camper avec Madame Ni, avec Petite Li. Premier, ça qui t'a attiré l'attention, c'était circonstance la mort là. Et c'était recommandation nous également. Dans notre recommandé également poursuite légale si nécessaire. Nous tous c'est haïtien, donc à chaque fois qu'un haïtien a un problème, c'est tout haïtien qui a supposé un problème. Donc c'est comme ça que moi t'es entré dans le cas ça côté pour moi y a une femme. Même j'ai avec moi j'ai perdu Maril, donc il était besoin d'aide, moi j'ai décidé d'aider. M'a demandé justice pour Maril et m'a demandé tout pour l'autre monde pas ta continuer victime même j'ai avec Maril victime parce que douleur ça m'a ressenti en pas ta souhaiter personne l'autre monde vivre lui encore parce que il pas facile pour moi. N'a fait qu'on est Jean-Claude t'est tombé dans jardin côté l'étape travail avant l'étal mourir dans l'hôpital dans Douglas County. Pour qu'on y a en pile mise en place a fait pour une poursuite judiciaire sous l'amour citoyen haïtien. Yo Mijanit pour VOA Creole Atlanta. Merci Yomi Janit, n'a quitté diaspora et nous prenons l'entrée dans le département nord pays pour nous parler de jeunesse et avenir jeunesse. Nous sommes sur place correspondant nous Gérard Maxino. Organisation No England Human Rights, NEWO, démarré mercredi 10 juillet 2024 avec la troisième série formation dans la commune Limbé. C'est plus passé une centaine de jeunes qui ont participé dans le séminaire formation ça qui a déroulé sous thème Yon jeunesse haïtien face à l'avenir. Selon le président NEWO, Josué Renaud, séance formation ça pour le permettre jeunes de reconnecter avec PIA pour l'autre société. Aujourd'hui, nous choisi Limbé pour troisième conférence qui a rapport avec jeunes. Parce que souvent dit que jeunes c'est l'avenir du pays. On les nous garde comment jeunes ça yo quitté yo en dehors de réalité sociopolitique pays d'Haïti. Nous venons pour nous apprendre yo que dans 10-20 ans, c'est eux qui prennent responsable de pays. Par conséquent, yo fait pour commencer à assumer. Donc et thème nan c'est jeunesse haïtienne face à avenir. Responsable NEWO expliquait des journées formation ça au déroulé sous éducation civique et citoyenneté. Ça KPD jeune yo connaît paysan c'est pour yo d'après idéal desalinien. Mais nous avons de sous-thèmes qui ont rapport avec éducation, éducation civique et souvle citoyenneté et nous capable dire que plus de 100 jeunes non sales qui ont réfléchi, c'est un gros causé. Et nous avons entre autres intervenants. Nous avons juge Marjorie Einstein qui a fait nommé dans le tribunal et Massachusetts, c'est un haïtien-américain. Nous avons Madame Carmel Bonomet. Nous avons tout intervention de docteur Yolette Iboquette. Nous avons tout intervention de plusieurs autres personnalités. Donc, c'était une journée réussie dans la mesure où tu as une interaction entre jeunes yo et intervenants. Yo. Ça fait que tu rappelles les jeunes yo que le pays d'Haïti c'est pour yo lié et que par conséquent, tu fait pour réapproprier. Pour qui ça de telles formations? Parce que nous revenons au point côté que question civisme, question patrie, question drapeau pas existé en dans pays d'Haïti. Donc je dis à faut ou permettre que jeunes yo reconnecter avec pays ça pour yo pas suivre modèle qualité dirigeant que nous gain jodi a cap dit volant l'état c'est pas volant ou bien plumer pour là pas quitter le relais. Nous besoin que jeunes yo comprennent que Haïti c'est pour yo lié. D'ailleurs c'est ça idéal de s'aligner en blé. C'est plusieurs personnalités ak professeur qui sorti dans pays États-Unis ak nan université l'état d'Haïti qui t'est intervenu dans des journées information ça Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la FAD d'Amérique. Et surtout avec les derniers reportages que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. Nous voulons remercier de façon très spéciale et service espagnol là qui aujourd'hui t'est venu porter sympathie et by service créole là dans l'occasion de disparition Cavalier Paul Canou, Zamino, Frenou, collaborateur nous Serge Rodriguez.
et nous voulons dire tout le monde tout capé relé nous qui voyait note pour nous, ça fait nous plaisir en pile et nous apprécier ça en pile et nous même nous pas jamais oublier Serge Rodriguez. Et puis n'a pas rappelé tout que eh ben nous déjà go finale captain nous Coupe d'Europe des Nations a bien Espagne Angleterre et puis dans Copa América eh ben gagné Argentine Colombie. Merci pour attention nous, merci Starline, merci et Jean-Marc Hervé Abella, Barot Gueski derrière. Donc moi dit merci tout le monde, c'est un plaisir, à demain. Prendre que situation pendant journée qui était mercredi 10 juillet 2024 là, li pas trop bon dans Front National Solino et Belair. Information à bike et question à poser, est-ce que c'est la police qui envahit monsieur Andy Belair yo et Nek Badel Mayo? Et information a dit tout, est-ce que c'est Bandi Babel et Belair et Nek Vivant Samyo qui décide d'envahir le Front National? Ça veut dire que information a partagé dans diverses façons et dans diverses directions. Mais ça que nous connaît, d'après un pile journaliste qui a fait crédit, la police semblait mettre pied la terre dans le niveau Belair et dans le niveau Badelma. Pas oublier que récemment, dans la conférence que pour la presse que des Giramon en Milte Baylan, l'été dit que Bas Boydjo, monsieur, renforcé dans le niveau Front National. Et renforcé, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, vingé plus policiers, et vingé plus blindés, vingé plus matériel, pour que nèg yo capable de contrecarrer action bandi yo. Est-ce que ça dit que je dis, hein, que Jean de Géramon en Milte dit, hein, que peuple haïtien, hein, a levé un bon matin, ou dit monsieur, sans attendre, il attendait que la police neutralise, la police est démantelée, la police démantibilée, bandi armé. Est-ce que c'est ça qu'a fait? Puisque, déjà, mon ami te dit, et pas qu'un jour, pas qu'une date, pas qu'un l'air, pour que la police attaque bandi. Est-ce que je dis, hein, ça qu'a passé là? Est-ce que je dis, hein, ça qu'a arrivé en d'un pays là, que peuple haïtien lui-même, n'est pas capable exactement, et je dis, hein, rivé, gué contrôle, ça qu'a passé en deux pays, hein. Je dis à des Ivenes, en comprendre, en dit tête, non. Que ça qu'a rivé là, ça qu'a passé là. Peuple haïtien dit bouquet. Peuple haïtien dit about. Elle pas capable encore. Il faut que question et sécurité à Kaba. Il faut qu'ensemble problème y résoudre des Ivenes. Très bien. La situation, tant que j'en dis, la situation t'y paraît très compliquée. Et nous connaît zone Front National. Et ces zones qui bandit exam souvent. Collaborateur nous des Ivenes avec nous regarder et émission jeudi hein, puisque nous on est et ensemble de points pas seulement de Front National mais Grécier tout en même temps puisque les questions que Grécier résultat. On très bien, qui te bat le résultat BK et selon DG Rameau, lui-même, il dit c'est MPP, mariage, police, population qui peut permettre au moins que ayo résoudre le problème d'insécurité qui vient en dedans pays. Hein. Est-ce que c'est ça qui a fait dans Solino? Est-ce que c'est ça qui a fait dans Front National? Est-ce que c'est ça qui a fait dans Badelma? Bien que nous, est barbecue, Jimmy Cherizier t'es sorti en vidéo pour parler en pile, pour dire que la police préparée pour mettre civil armé dans blindé pour attaquer. Est-ce que c'est crête ou crête? Est-ce que c'est peur que vous commencez peur par rapport avec Zach qui vous fait en dedans pays? Selon le directeur général de la police, eh bien, il a attaqué bandi yo dans niveau et Zach qui vous commet en dedans pays. Parce que allez, dans divers espaces, dans divers bâtiments d'État, tant que l'hôpital général, le regardez dans quel niveau que Nexa a mis l'hôpital général, l'immérité que Nexa a eu, au moins, il y a le débat. Il y a stoppé et maîtrisé par la police. Nous avons Rameau déterminé. Conseil présidentiel, pour certains là-dedans, qui partent dans distribuer les armes, ils ont déterminé. Pour permettre que la sécurité retourne dans le pays. En pile, dans le monde, ils ont commencé à avoir des réactions contre le premier ministre Gary Conny. Ils ont estimé qu'il y a un nègre qui n'a pas campagne. Qui a fait promesse presque chaque jour, chaque fois qu'il prend parole dans le micro de la presse. Pour jouer mercredi, à la situation, ils ont gagné un conseil des ministres qui était fait, qui renvoyait à la huitaine. Sous table là, tu as gagné des questions qui liées avec question BNC. Parce que, songez, ça a grand paquet qui a joué, qui a joué sous le gouverneur Banque Centrale. Il a cherché qu'on est. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a pris? Et faut que nous disions tout, Fritz Alfonso, dans le mercredi, a rendu visite à BNC. OK? Il y a pour rendre une série de visites stratégiques. Songez lui-même, c'est économiste qui est lié dans le conseil présidentiel de transition. Hein? Et en pile, le monde fait quoi? Il était passé dans la boîte ça déjà. Tu as des gars qui te commettent là-dedans. Est-ce que c'est même bagarre que le gars lui veut faire? La situation, ministre Affaires sociales et Travail, là, Georges Wilbert Franck,
l'itérané directement dans greffe tribunal de première instance Port-au-Prince, tout simplement pour ta faire déclaration définitive patrimoine. OK? Pour ta faire déclaration de patrimoine ni. À qui ça qu'elle rentre dans le job là? À qui ça qu'elle prend le sorti? Sous-je bon paquet de voleurs. OK? Bon paquet d'assassin. Qui rentre, qui prend le job yo? Yo vin dilapide fond. Yo pas dit à qui ça qu'elle rentre. C'est gade yo gade. Après n'a yo fin sorti. Yo a chargé l'argent. So pas qu'on est qui côté ou fait l'argent. Conseil présidentiel, t'as comme j'en te dis là, Fritz Alphonse Jean, littéralement dans le local ILCC, pour jouer mercredi, économie ça quoi elle est nécessaire pour jouer information sur institution si là, qui pratiquement a contrôlé rentrer et sortir l'argent dans sa qui vient pour avec administration publique ou bien dans le trésor public là. Fritz Alphonse Jean, tout, c'est tout passé dans BRH, quand elle t'a constaté, système financier pays a fonctionné, elle gagne bon genre sécurité. Situation difficile qu'a passé en Haïti, c'est une menace pour la paix et la sécurité dans la région. C'est ça, ambassade américaine écrit sous compte XO. Il fait quoi? Mission multinationale pour support à la sécurité pays Kenya à diriger. C'est une réponse importante après appel pour assistance internationale Haïti été lancé pour combattre la violence gangue en dedans pays à l'institution. Mais je pense que l'IA est important, l'IA nécessaire et n'a pas dit pour l'institution. Monsieur Kenya, dans le cadre mission multinationale, là, il a gagné pour PPT 10 blindés MRAP qui stationnés dans la base pour venir attaquer, pour y mener opération qui a bien pour mener, sans compter divers blindés qui sont déjà disponibles pour la police mener diverses opérations dans diverses zones à travers le pays. Pendant la rappelé, plus que 80% air métropolitaine en bas griffe, bandit, sans foi ni loi, surtout monsieur, vivant sans mieux situation. Désilé SM dit ça avec sa météo, nous concertons de débat et Bayotan. Bayotan ainsi connu. Je suis présumé membre gang Grand Griffe à Gravine, pardon, Gravine. Eh bien, monsieur qui est stoppé là, par agent police nationale d'Haïti, dans la zone de Cornier et près du fort, qui va trouver près du fort dans la commune Léogane. Là, il dit zone du fort dans Léogane. Eh bien, Cormier, c'est dans la zone ça, Bayotan, ainsi connu qu'il est même ta membre base Gravine, que tu l'as dirigé. Eh bien, monsieur Valéa Guénessasli, je n'ai quitté exactement mardi 9 juillet 2024, l'an des Yvelines, selon l'information que nous avons. Pendant que monsieur t'a tenté pour le capable à le mettre propre gang ni campé dans un côté qui est l'habitat, dans la zone d'Abonne. Eh bien, la police qui est informée de ça, avant même monsieur à le mettre gang ni campé, la police tout dit, monsieur, où est zone ça? Zone qui est les habitats, dans zone d'abonnement, dans les organes, pas quelque soit gang armé qui a mis campé là. Dans ce sens, tout mettez dominant, monsieur, et plus jamais, monsieur, pas jamais capable de mettre gang campé, et monsieur, pas capable de mettre gang campé encore, parce que, y a tout dit, monsieur, pas qu'il y a comme ça, et des civilistes. Ensemble de points, ça y est, que nous pourrons analyser, nous pourrons questionner avec Zamitan. Ministre Petit de Salina, qui c'est ministre agriculture, et ministre Petit de Salina, nous pourrons en pile dans nous, n'a pas de qui, yes, ministre qui m'a parlé, je vais parler de ministre Werner Joseph, qui est ministre agriculture. Dans le jour 8 qui se passe, et même la situation, monsieur était rencontré avec l'ambassadeur pays des États-Unis d'Amérique, Denis Hopkins, pour négocier pour être qui permettre l'exportation. Mango Francis là, lui retourner pour aller dans le pays des États-Unis et pour voyager, pour aller dans divers pays à travers le monde. Là, nous connaissons une situation difficile qui était gagnée par rapport avec problème d'insécurité et tout autre problème qui te permet que tu suspends avec l'exportation des situations. Ensemble, pour ça, pour analyser et questionner, et il y a des photos que nous avons Pierre Espérance avec Denis Hopkins et Moïse Jean-Charles, ça, il y a pratiquement qu'un même plat. Il dit tout le monde, c'est esclave, c'est mettre avec esclave qui a fonctionné. Il y a des gens qui ont parlé bien fort des ambassadeurs, et bien, pas besoin de quoi, il y a un dans la diplomatie. Il y a un job qui a fait undercover les situations. Deuxième, je vais avec dossier, et alors, ça qui a passé dans le Fonds national. Là. Et ça qui a passé dans le Fonds national, laissez-moi dire avec Zamio. Si c'est la police qui a mené l'opération pour dénicher Mandio, c'est bien. Eh bien, ça me dit, oui. Ça qui a passé Fonds National. Là. Si c'est la police qui a mené l'opération pour déchouquer, pour démanteler individu Bel Air, mélangé avec Badelma, qui passe six pentes envahi moun dans Fonds National, c'est bien. Mais qu'on a tout, si l'État Mandio qui décide envahi moun Fonds National, là, la police nationale d'Haïti, à travers la chaîne commande de la police, non, yo prend une décision définitive pour empêcher que mon fond national suspende victime en bas même armé. Parce que c'est pas jodi que mon fond national
y a lancé de SOS. OK? Y a lancé de SOS dans les autorités yo. Pour dire que pas capable avec assaut Bandina Bel Air mélangé avec Bandina Badelma et pas jodi a. Et pas jodi y a lancé SOS ça yo. Jusqu'à ce que c'est anti policier dans zone non. Ça crée qu'à faire résistance et de ces citoyens dans zone non. Qui était qu'à faire résistance avec Wash, avec bouteille, population civile, là. Et quelques policiers qui étaient dans la zone, yo même, qui a fait résistance avec Madi Sayo. Je dis, hein, on nous dit clairement, est-ce que la police, est-ce que l'autorité qui l'a yo, l'ité conseil présidentiel, là, l'ité gouvernement Koni a dirigé, hein, l'ité direction de la police que Ramon Amil a dirigé, hein, comme je t'ai dit récemment, l'État prend le contrôle paysan, quartier en quartier, caille en caille et ville en ville. Qui ça qui empêchait que jusqu'à présent, l'État poko capable de prendre contrôle Fonds National surtout? Parce que problème Fonds National, parce que plan nèg banti Belair yo, plan nèg banti barbecue Badelma yo, c'est éliminer Fonds National. Nèg yo yo besoin éliminer Fonds National et rive prend Baspoid là. Ça c'est une gros plan nèg yo gagné. Parce que en pile fois c'est monsieur Boydio qui fait de résistance avec nèg yo, qui fait nèg yo pas faire massacre dans Fonds National. Et ça faut attendre de temps en temps nèg yo décider envahir Fonds National. De temps en temps, nèg yo décide envahir Fonds National. OK? Et que donc, je dis en là, faut que nous essayons de comprendre. Je dis en là, faut nous garder et suivre. Comme si, comment faire chaque jour, de temps en temps, que y a des problèmes, y a des situations qui ont passé dans le niveau Fonds National. Mm-hmm. Mais si je dis en là, que autorité yo